Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue à la Playroom sur l'épisode de Robocrab. Donc un épisode un petit peu spécial, chers amis, parce que comme vous voyez, j'ai un peu moins de GC. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Bah écoutez, on va se faire un nouveau robot. On va se faire un nouveau robot. Et donc, si j'arrive à rentrer dans le bon mode, je ne me rappelle plus c'est lequel. J'ai pour garage, nouveau robot. Hop, Edit Robot. Donc, chers amis. Moi, j'ai bien envie de me faire, je sais pas ce que vous en pensez, une TCA. Oh, je l'ai prise, rien à foutre. Rien à foutre, donc je l'ai prise. J'avais envie de la faire, à la base, sur des tracks. On en a déjà deux, donc c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Donc on va faire un truc qui soit, comment dire, je vais pas dire RP, mais presque. Hop. Ah bla. Voilà. Si je me rappelle bien, elles sont à moitié chiantes à poser. Ah non, c'est bon, ça a été réglé ce problème, d'accord. Donc pas trop près, hein, bien sûr, on va éviter de les mettre trop proches. Elles sont quand même assez balèzes, comme vous pouvez le voir, hein. Donc ce que j'aimerais tant qu'à faire, excusez-moi je suis encore malade, hein. Hop, ce serait faire ça déjà, voir si on peut déjà poser l'armement, je pense pas, je pense qu'il faut beaucoup plus gros. Hein. Alors là je vous avoue que je suis étonné. Donc on l'a centré, c'est bon. Donc on a l'idée maintenant de la quantité de place qu'on va devoir prendre. Hop. Voilà. Pareil de ce côté-là. Hop. Donc je pense que en mettant mes... Hop. Mes roues, enfin mes chenilles plutôt. Ici, on serait pas trop mal. Les chenilles sont là. Alors, par contre, il faut que je le centre. J'ai été suffisamment stupide pour mettre que d'un côté. Hop, voilà. Ça, on verra ça tout à l'heure. Ok. Alors, les chenilles, on va les centrer. Hop. Parfait, exactement ce que je voulais. Là, on a un cube en trop. Oh, qu'est-ce que j'ai enlevé? C'est le bon. Hop. Parfait. Bah. Pourquoi t'as pas voulu me la mettre de l'autre côté? Hop, c'est mieux. Je préfère ça. Hop, ok. Donc. Après tout, si on doit faire quelque chose de propre. Au final, non, non, c'est pas rond, c'est comme ça. Est-ce que tu peux bien... Merci. Ok. Ok. De ce côté-là, on est bon. Ok, pareil ici aussi. Ok. Donc ça, ça passe. Hop, j'aimerais. Est-ce que, par exemple, j'aurais la place pour en mettre... Alors, je sais que normalement, ça, c'est un point... Ok, donc la courte passera pas, la longue par contre, elle passe. Parfait. Donc c'est intéressant à savoir, on va peut-être pas l'utiliser tout de suite. Là, d'accord. Ok. Qu'est-ce qui fait que ça ne passe pas? D'accord, c'est très très juste. Ok, donc si je rajoute ça, imaginons... Alors je rappelle que ça c'est du freestyle, chers amis, hein, c'est juste moi, hein, c'est de l'invention pure et dure. Hein. Hop. Hop. Voilà, c'est pour le style.
Disons que c'est pour le style. Parce que c'est pas très stylé non plus. Hop. 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 Et hop. Ok. Ah, pourquoi j'avais pas mis la merde, Crudy. Hop, c'est mieux comme ça. Et du coup, oui, forcément, je vais refaire la même chose ici. Hop. 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 Tiens, c'est marrant, j'ai envie d'essayer un truc. Hop. Spécial. Est-ce que vous croyez que... Ah non. Si, peut-être que si je l'avance un petit peu, je pourrais. Alors. Voyons voir. Ok. Ça va pas vouloir, je pense, hein. Mais on va essayer quand même. Hop, essayons ici. Ça ne veut toujours pas à cause de ce fichu canon. Là, toujours pas. De toute façon, j'adapterai le reste, hein, vous inquiétez pas. Hein. Voilà. Eagle, oui, effectivement, le Eagle, je l'ai déjà. Hop. Et les fameuses Ears qui sont une chienlit à mettre. Peut-être parce que je prends jamais le bon côté. Est-ce que c'était ça le côté? Non, je pense pas. C'est ça à la base. Mais je ne peux pas les mettre. À cause du canon. Putain. Hop. Réessayons. Apparemment. Ah oui, c'était les jeux que j'avais pris, d'accord. Toujours pas. J'arriverai à le mettre, hein. Ça me fera un véhicule stylé, enfin, j'espère. Ça y est, les voilà. Hop, ici. Hop. Et ici. C'est pas le bon. Bah, on est d'accord pourtant, c'est bien comme ça que je les avais mis la première fois. Ah non, c'était là, d'accord. Ok, pourquoi pas. Bon. Nous avons donc enfin notre Rhino. Bah du coup, peut-être que ça vaudrait plus le coup d'avoir deux... d'avoir deux tracks supplémentaires. Hop, pas grave, ça me fait 1 000 000, hein, c'est rien. Hein. Hop, parfait, c'est les bonnes. J'ai eu un doute l'espace d'un instant. Ok. Les voici. Quoi faut-il réussir à les placer, hein, chers amis, je pense. Que là, ça va être coton, comme dirait l'autre. Hop. La remarque, ça peut être sympa, ça. Hop. Un peu trop tôt peut-être.
C'est pour ça que j'avais fait le double exprès. Ah ah, vous avez vu ça le talent? Hop. Toujours trop tôt. Je pense que là on peut reculer au moins de deux. Hop. Je fais le test. Ah, toujours pas. Hein. Hop. Hop. Je me trompe de but, hein. Hop, ici. Toujours pas, mais on y est presque. Hop. Hop. Et hop, depuis le temps que je voulais le placer, ce putain de... Hop. Ce putain de canon. Maintenant, je vais le recentrer. C'est ça. Je vais le recentrer. Alors. Séparons le vaisseau en deux. C'est pas grave, on sait que ça passe maintenant devant. Hop. Hop. C'est ici que ça se passe. Hop, les serres collées. On est rebond. On est de nouveau bon, pardon. Moi, je vérifie que l'enregistrement se passe bien. Apparemment, c'est le cas. Hein. Maintenant que j'ai quelques bugs, je préfère être sûr de moi. Donc je sais qu'ils existent, ces bugs. Hop. Tant qu'à faire, autant s'assurer. Ok. Maintenant, j'aimerais que de ce côté-là... J'ai combien de... Hop. De ça, j'en ai 9. Parfait. Hop. Hop. Ça fait très synthétique en fait. On ferait dans un truc de synthétique de comment de Fallout. C'est marrant. Ok, c'est fait de ce côté-là. Si j'oublie la partie la plus importante ici, on va pas y arriver. Ok, c'est bon. Donc c'est bon de ce côté. C'est bien de vérifier tout le temps. Hop. Voilà. Parfait. De ce côté-là, c'est bon. Alors. Si je veux par exemple mettre ceci là. Qu'est-ce qu'il faudrait que je mette? Pardon. C'est plutôt... C'est pas ça que je voudrais faire. Mais bon, ça rend ce que je veux, donc c'est comme ça qu'on va faire. Hop. Oula, c'est la première fois que je le vois partir dans ce sens-là. Hop. Voilà. Et la tête, et la tête. Ah, peut-être qu'on pourra la reculer d'ailleurs la tête un petit peu. Excusez-moi. Hein. Je suis vraiment désolé. Donc le plus loin au final sont les oreilles. Que par exemple, si je prends ce cube là, pour l'instant, imaginons je fais ça. Est-ce que dans le cube, est-ce que ça passe dans le...
Oui, donc je peux reculer en fait. Est-ce que là je gagne un petit peu d'espace? Bah, pourquoi ça passe plus là? Parce que j'ai pas pris la même? C'est pas dans ce sens là! Bon, je sais pas si ça va me faire reculer des masses, cette histoire, hein, mais enfin bon, pourquoi pas. Ici à l'intérieur, il faudrait que je relie tout ça parce que sinon je vais me faire baiser. Peut-être finir ça d'abord. Au moins ça, ouais, ça c'est bon. Voilà. Crac. Ok, ça c'est bon. Ok, ça c'est bon. Ok. Bon, ça, pour ce qui est du... de l'intérieur, c'est bon. Hop, bon, on peut se refaire l'avant, pour le plaisir. Et les mâchoires, qui vont ici. Donc, ok, je te vire, y a pas de souci. Hop, parfait. De ce côté-là, c'est ce que je voulais. Ok. Donc maintenant, du coup, plus trop besoin de tout ça. Celle-là, j'en ai besoin, cependant. Donc, ce que je peux faire, c'est même pas. Je peux même pas cacher un petit peu. Ok. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Alors maintenant, au niveau du hardware. Hop. Quoi ça ressemble ça? Moche. Super moche. Hop, un instant. Non, c'est bon. Crac. Qu'est-ce que je pourrais faire? Vous voyez que j'ai pas grand-chose, hein. J'achèterais bien ceux-là. Hop. Ah, je peux pas m'acheter une paire de ceux-là. Du coup, je vais juste prendre ceux-ci. On gaspille notre fric un petit peu, chers amis, mais écoutez, hein, une fois qu'on les aura, on les revendra plus maintenant, celles-ci. Normalement. Donc. Ah mince, c'est pas ce que je voulais faire. Hop. Voilà, donc je pouvais le placer. Ok. Donc est-ce que du coup, maintenant que j'ai pris ça, en prenant ceci... Non, ça ne veut pas. Ok, pourquoi pas? Hop. Ça ne veut toujours pas. Mais... Est-ce que par exemple, en plaçant... Non, je peux rien placer. Hop. En plaçant ceci comme ça, peut-être que je peux passer par-dessus. C'est dangereux. Non, non, ça veut pas, ça voudra pas. Non, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Hop. Ok. Hop. Bon. Parce que là, maintenant, ma DCA, elle est complètement...
à l'air libre entre guillemets. Hein. Ah oui, c'est vrai. Et si je les passe là? Hop, si je les passe là. Trop haut, j'imagine. Beaucoup trop haut. Hop. Et sur les côtés, ça donne quoi? Non, impossible aussi. Ok, pourquoi pas. Alors. Alors. Bon, déjà, on peut se protéger des côtés. En tout cas, des côtés à l'avant, parce qu'on n'a pas assez pour se payer les côtés à l'arrière. Ok. Ça, ce serait peut-être pas mal au final. Parce que d'une, ça rend pas si mal. Et de deux, ça protège bien l'avant, je trouve. Hein. Forcément, on pourra pas en mettre beaucoup plus près. Non. Hop. Bon, déjà pour ça, on verra ça. Au niveau de la queue, entre guillemets. Je sais plus ou moins ce que je veux faire. Je sais pas comment ça va rendre. Mince. Voilà. Ok. Spécial ou cosmétique, c'était cosmétique? C'était cosmétique. Donc c'est un char d'assaut. Du coup, le Diviner va être très très bien. Ah, il veut même pas le poser. Ok, c'est pas ce que je voulais faire. Ah non, il veut pas du tout. Hein. C'est marrant ça. Hop, bon, c'est pas grave. Ici, il est peut-être mieux, effectivement. Ok. Là, ça passe. Parfait. Ça, c'est bon. Ça aussi. À l'avant, on va plutôt ne pas en mettre. Parce qu'on va pas pouvoir, tout simplement. On va se mettre ceci. Histoire d'assurer une certaine pérennité au truc. Alors. J'aurais bien rajouté 2-3 petites choses. Ah bah je peux peut-être les mettre par en dessous. Hop, par exemple. Hop. Et hop. Voilà, déjà ça. Ok. Bon. Et maintenant, on va passer à la peinture. On a un rhinocéros. Un rhinocéros, c'est normalement gris. Voilà. Hop. On va lui rajouter un petit peu de blanc, peut-être. Ok. Qu'est-ce qui mériterait d'être blanc? Hop. Voilà. 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 Bon. Et on n'a plus maintenant qu'à l'appeler tout simplement. Hein. On va hop l'appeler le rhinopharyngite. Je crois que c'est écrit comme ça. Hein. Gite. Voilà. Bah, il est stylé ce robot.
Est-ce qu'on en fait le test? Il nous le proposait tout à l'heure. Oui, on peut en faire vite fait le test si vous voulez, chers amis. Single player, parce qu'on va pas faire le test simplement de conduite, hein, ça m'intéresse pas du tout, moi, le test de conduite. Hein. Hop, je vérifie que l'enregistrement se passe bien. Sans pépin, apparemment. Bon. Alors, l'interface ressemble donc à ça. Ok. Ce n'est pas un ennemi, c'est simplement la forme. D'accord, la réfraction de la lumière, même techniquement. Hop. Donc, il y a une durée de. D'accord. Et j'ai forcément pas d'ennemis volants à l'heure actuelle. Donc, je peux pas savoir si ça fait vraiment plus de dégâts sur les ennemis volants. Hop. Alors. Hop, hop. Alors ça va être quelque chose à prendre à mon avis, hein, au niveau de la. Au niveau de la. Comment. Oh. Alors on m'avait dit que certains de ces robots étaient considérés, s'ils étaient trop hauts ou s'ils sautaient, comme des ennemis volants. Ils sont fiers de leur connerie quand ils font un jeu. Alors là, ça va être quand même assez chiatique, hein. Que toucher un ennemi volant, ce sera chaud. On a un véhicule cependant qui est rapide, qui est clairement tout terrain. Ah d'accord. Donc il n'a pas une capacité de tir en face de lui, enfin, encore à corps très importante. Et à qui apparemment il arrive de ne pas toucher le. Du tout. Mais un vaisseau qui cependant a l'air assez tanky. Hein. Ok, premier kill. Oh la vache. Ah, je suis coincé. Je suis littéralement dans un trou. Hop, ça pousse le robot d'ailleurs. Hein. Rien à foutre. Je vais lui rouler dessus d'ailleurs. Hop les. Voilà. Ça c'est fait. Ah, on a plus de tir. Bon. En tout cas, un vaisseau qui est, à mon avis, assez performant si on arrive à maîtriser l'armement. Mais ça, chers amis, on le verra dans un prochain épisode. Merci d'avoir regardé celui-ci. Un petit peu de construction, ça ne fait pas de mal. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Merci pour les 528 crédits, ça va me faire aller loin. Salut les gens.